Et coucou, this is the successors. Je sais pas si on dit les The. De Disney, on se retrouve à nouveau pour un fan art. Donc d'une abonnée. Hein. De Miss Lolix, ou Miss Loli, qui nous a déjà envoyé, aller sur la fiche, je le mettrai aussi en fiche de fin si vous voulez aller voir après cette vidéo, qui nous avait déjà envoyé les méchants de films d'animation qui dansent. Et c'était vraiment génial. Et du coup, elle nous en a renvoyé un autre avec plein de personnages de DreamWorks. Donc voilà, il n'y aura pas que du Disney. Et elle a écrit que apparemment, donc on était dedans. Donc voilà. Donc on est impatients de voir tout ça. Avec vous. Et c'est parti. Alors, allons voir. On n'a pas vu, hein, encore. Non, on n'a pas vu. Alors, elle a dit qu'on allait se creuser les méninges pour retrouver. Alors, déjà. Oh putain. Déjà, je reconnais le monsieur en jaune qui est derrière la dame rousse. C'est le méchant de Il pleut des boulettes géantes 2, donc l'île des Miam Nimo, ça c'est sûr. Mais alors les autres, je ne vois pas du tout. Ça fait penser à qui? Je sais pas. Si, elle me parle. Ouais. Mais on dirait qu'elle a la robe d'Ursula, mélangée à... Il y a de tout, hein, du coup, il y a du DreamWorks, du Pixar, oui, du Disney, même du Ghibli, elle nous a dit. Ouais, donc t'as dit que tu te tâtais à nous envoyer la réponse, je pense que tu peux te tâter bien. Non, parce non, parce qu'elle a écrit, elle a un beau mail, un super bien fait et tout, en disant, mais j'aime vous voir vous creuser les méninges. Après, le monsieur qui a les deux yeux différents, je le connais, mais alors, pour me souvenir d'où il vient. Ah, et attends, la bonne femme, c'est pas la méchante de Le Signe et la Princesse 3, qui s'appelle Zelda. Ah si. Elle a cette tête. C'est ça, c'est vrai. Si, ouais. Ça doit être ça. Mais lui, là derrière aussi, il est connu. Hein. Oh, je sais. Ah, purée. C'est pas un mé... Ah, oh, c'est un méchant dans un... Franchement, je vois pas. Oh. Alors, faudrait que je révise mes questions. Dites-nous en commentaire. Assassinez-nous en commentaire. Par contre, la Dame Rousse, j'ai rien. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Bon, on passe à la suite. Hein. Alors, leur prénom, je... Oh là. Ah, bah lui, c'est le méchant de Le Signe et la Princesse. Oui. Le premier. Le Signe et la Princesse, comment il s'appelle? Je sais pas. Je l'ai eu pareil. Il se transforme en chauve-souris. En chauve-souris géant. Oh. Je suppose qu'il danse avec la sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz. Il me semble qu'il y a elle. Elle est verte. Il y a que elle qui est verte. Hein. Après, à côté. Le fou? Non. Non, avec. Lucifer! Tu penses? Lucifer en mode humain, peut-être, et Duchesse. Ouais, ou la chatte blanche dans le conte... Ils ont tous les deux des masques de chat, donc j'imagine que c'est des chats en humain. Ah, Duchesse, moi, ouais. Moi, je dirais Lucifer. Putain, la petite maline. Petite maline. Ouais, on dit Duchesse, Lucifer. J'ai oublié son nom, ça me stresse parce que j'ai tellement vu ce film beau... Enfin, j'ai tellement vu ce film quand j'étais jeune. Pareil, mais je sais pas comment il s'appelle ce méchant. J'ai oublié. Ça peut pas être Duchesse si c'est des méchants. Ah oui. Eh, mais... Il y a une Ah, c'est peut-être la méchante chatte blanche dans Basile et les détectives privés. Basile, détective privé. Il y a un gros chat blanc. Ah bon? Tu sais? Oui. Avec Ratigan. Ah oui. Elle s'appelle Poupoune ou un truc comme ça. Voilà, elle a un nom très... c'est bien possible. Ouais, ouais. Mais Lucifer, c'est logique parce qu'à un moment, il se fait, dans Cendrillon 3, il se fait transformer en humain. Ouais. Mais alors elle, ouais. Peut-être qu'on se trompe, hein. Assassinez-nous en commentaire. Oh, j'adore, ça me rappelle trop de souvenirs. Oh, c'est Shrek, c'est la bonne fée. C'est la bonne fée de Shrek, ouais. Et à droite, c'est le méchant dans les 5 dinosaures. Le professeur mauvais oeil ou putain, un truc oui. comme ça. Excellent, par contre, ceux de gauche... C'est pas dans Pocahontas. Je le vois dans Pocahontas. Kokoam, c'est pas un méchant. Non. Je pense pas, hein. Je le vois dans Pocahontas. Et sa copine, je vois pas non plus. Non. Assassinez-nous toujours en commentaire. Hein. Et n'oubliez pas de nous dire quel est votre préféré pour le coup. C'est très dur. Hein. Alors. Oh non, Mulan avec Peter Pan. Pourquoi Peter Pan a des oreilles de. Non, attends. C'est Bambi. Et des pattes de chat. Non, c'est pas un méchant. Oh là là, attends, il y a beaucoup de choses là. Raja, non. Mais c'est pas des méchants. Alors, c'est peut-être Shere Khan d'un côté. Ah, Shere Khan. Et de l'autre côté, ça doit être Rono. Le méchant de. Le de copain Bambi. De Bambi. Et du coup. C'est Rono, il s'appelle ? Toujours vivant. Rono. Il me semble bien que c'est Rono, ouais. Et je sais pas pourquoi il y a Mulan, mais c'est peut-être pas Mulan. Ça peut pas être Mulan. C'est deux jumelles. C'est pas les frères siamois de la belle et le chat avec les pattes. Je savais pas. Ah, je pensais que c'était des garçons.
C'est peut-être des filles en fait. Bah oui, mais c'est les deux seules jumelles chat, parce que ça a des pattes de chat. Oui. Il me semble bien. Hein. Oui, c'est des pattes de chat ça. Donc ça doit être ça. Et si à moi, oui, non, je pense que c'est ça. Ouais. Avec Chrono et Shere Khan. Pour l'instant, je pense pas me tromper. Ah, c'est patibulaire, oh, mon humain. Oui, Pat. J'adore. Alors je vois pas qui c'est. C'est peut-être Mystique. Mystique, oh, la sorcière de Picsou, cette coiffure. Ah oui, c'est ça. Et à droite, alors, c'est le méchant de Bienvenue chez les Robinson. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Et la fille, je ne vois pas. Bah, c'est la méchante. Dans Les Indestructibles. Y a pas une fille qui lui ressemble beaucoup? Qui est l'assistante de. Du méchant dont j'ai encore oublié le nom. Attends, Les Indestructibles. Ah là là, mais je connais son nom en plus, ça m'énerve. Je crois que c'est la secrétaire du méchant, celui qui a la cape là. Justement, ils disent pas de cape. Ah, mais j'ai oublié. Enfin, de toute façon, elle, je me souviendrai pas de son nom, c'est sûr, mais le méchant de. On va se faire tuer. Hein. Franchement, je la vois plus, elle. Je pense que c'est la secrétaire du méchant dans Les Indestructibles, je pense. Ouh, c'est sexy. Alors, c'est le grand méchant loup. Le chien avec un petit mouton. C'est le grand méchant loup avec la secrétaire, la méchante de Zootopie. Oui, ça. Voilà. C'est le grand méchant loup en humain. Pour le coup, il est bien, lui. Ouais. Oh. Oh, mais c'est excellent. C'est Pousselina. Tu l'as pas vu, ça? Si, mais bah, grâce à toi. Ouais. C'est la grenouille de Pousselina. C'est la grenouille dans... Mais elle est pas vraiment méchante. Bon, elle est un peu... Mais elle veut qu'elle montre son côté sexy. Voilà, elle est un peu... Voilà. J'adore le déhanché de Stromboli. J'adore ses fesses. Et là, c'est dans La Ferme Rebelle. C'est ça? Ouais, voilà. Mais elle a voulu, je pense, mettre beaucoup plus le grain sur la grenouille. Parce que les deux personnages, les deux, Stromboli et... J'ai oublié son nom encore. De la ferme se rebelle, et ben ils sont exactement pareils, quoi. Oui, il n'y a pas de... Mais c'est sympa. C'est génial que tu as cherché des persos comme ça qui sont un peu oubliés, j'adore. Ah ouais. Oh. Bah, cavalier sans tête. Et en plus, par rapport à notre cavalier sans tête... Sans tête et sans reproche, pas sans mal. Sans tête et sans reproche, voilà. Donc avec la méchante reine... Et Shanyu. Qui est en vachement sexy. Shanyu, j'adore. Et Shanyu, il se fait bien frotter dessus, c'est hein. C'est qui, la greluche, là, qui... C'est Rihanna. Non, qui c'est? Je sais pas qui c'est là par contre. Hein. Je reconnais pas du tout. Ça doit être d'un univers qu'on ne connaît pas. Ou qu'on ne reconnaît pas. Je reconnais pas. Hein. Mais j'aime bien le couple, le cavalier sans tête, ouais, et la méchante reine. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Mais j'aime bien Shanyu aussi. Oh! Oh non! Oh, c'est Balto! Oui! C'est le méchant de Balto. Comment il s'appelle? Voilà, pour m'en souvenir. Gis qui. Qui me fait beaucoup penser à Scar d'ailleurs, lui. Oh, je sais pas toi. Mais il me fait beaucoup penser à Scar, ce personnage, ce chien. Par contre, je reconnais pas du tout sa copine. On dirait un peu Sherazade, mais pas Sherazade. Je reconnais pas du tout sa copine. Ça se trouve, je verrais le personnage pas en mode humanisé, ça irait, mais là, pour le coup... J'adore la main délicatement posée sur le ventre. J'adore. Et à droite... Un chat. Ça doit être deux chats, peut-être. Parce que tu vois, il y a des petits rappels d'oreilles. Ah, je sais. Moi, je sais lui, que... Lui, c'est un chat Aristobourge. Aristobourge. Après les aristochats, les aristobourges. Quels sont les chats? Non mais je revois sa tête en dessin animé, mais je suis impossible. Les aristochats. Incapable de dire de quoi ça. Moi, bizarrement, la fille, elle me fait penser à quelque chose. Elle me fait penser, elle me rappelle. Attends, avec ce petit nœud au-dessus de la tête. Là, par exemple, la fille, je suis sûr de moi, voir le personnage. Mais c'est Fievel. Ah bon? Lui là, le méchant, c'est le méchant de Fievel. C'est un chat dans Fievel. D'accord, mais moi je l'ai pas beaucoup vu. Et il a pas une copine chat, non? Je sais pas. Non, il a pas de copine chat. Parce que dans le mail, elle a écrit Fievel. Oui, c'est pour ça. C'est ça, c'est le méchant de Fievel. Ah, c'est Oncle Buck, non? Ah, excellent. Oncle Buck est méchant. Oncle Buck. Ah, ça c'est Moins Moche et Méchant 2. Ouais. C'est la méchante de Moins Moche et Méchant 2. J'ai pas vu Moins Moche et j'ai vu aucun Moins Moche. Mais moi je l'ai pas vu non plus, mais je revois le. D'accord. La bande annonce. Je reconnais pas le personnage aux cheveux orange. Et je reconnais pas avec qui Oncle Buck danse. Il nous cache des choses. C'est une reine? Non, et. C'est une reine, c'est sûr. Ce serait la sorcière blanche. J'adore Oncle Buck. J'adore, ouais, le petit pied. Oh. La petite chemise ouverte et tout. Ah, c'est excellent.
Non, mais la tête, quoi. J'adore. C'est peut-être Saphira. Non, elle est blonde. Elle est pas blonde, Saphira. Non, mais je sais pas. Ça me dit quand même quelque chose, ce personnage. Peut-être la reine blanche, hein. La sorcière blanche, pardon. Je vois la statue de la liberté, mon fait. C'est vrai qu'elle est méchante. Et lui, là, qui ça peut être avec les cheveux longs, orange, comme ça? Dragon Ball Z, non. Non, je pense pas, non. Assassinez-nous toujours en commentaire. C'est génial! Oh, c'est Sid! C'est Sid avec... avec celle de Nemo. Ah, j'ai oublié son nom. Darla. Mais c'est géant, jamais j'aurais pensé à des... C'est qui le Zouk à côté, là? L'équipe de Zouk à côté? C'est Rihanna, regarde. Comment elle se frotte, c'est Rihanna. Non, mais c'est quoi le dinosaure avec elle? Je sais pas du tout. Ah, franchement, là... Je reconnais pas ce couple. Mais j'adore le couple Darla et Sid. C'est géant comme idée. Rock'n'roll girl. Ah, mais Sid, oh, j'aimais pas. Non. J'avais peur, moi. Il faisait peur. Je me cachais, j'étais comme ça. Et son chien, il me faisait encore plus flipper. Mon Dieu. On en est qu'à la moitié, hein. J'adore vraiment ton travail. Hein. Vraiment bravo, hein. Alors là, il y a des derrière. Alors c'est tous les bébés de Elsa quand elle éternue. Ah oui, non. Ah. J'ai pas vu en dessous. Est-ce que ça serait... Oui. C'est par rapport au premier artwork de Anna, de Elsa, quand elle devait être méchante. Il y a un moment, elle avait cette coiffure dans certains artworks. Je sais pas si t'as vu. Parce que là, en fait, les trophées qu'il y a, là, c'est le méchant de Pousselina. Celui-là, je le connais pas. Là, c'est le roi de... Lui, c'est celui avec les cheveux en l'air comme ça. C'est un méchant dans Shrek. Dans Shrek 4. Ah, c'est oui. Ben, c'est Rumpelstiltskin, en fait. Oui, c'est ça. Lui, c'est le roi de Alice. Ouais. Le fou. Il est pas méchant. Enfin, bon, bref. Le fou. Monsieur Mouche. Celui, c'est dans Stitch. Ouais. Comment il s'appelle? Jumba. Ouais. Je sais plus. Ah. Là, c'est un chasseur, ça, c'est qui ça? Non, c'est pas un chasseur, c'est Jasper et Horace. Ah, c'est ça, Horace. Des chiens, voilà. Et lui, c'est qui? Je vois pas, celui de droite. Pareil, j'ai encore zappé le nom de... C'est pas Jumba, c'est Jumba et Pikli, non? Oui, Gantou. Ça y est, je l'ai, Gantou. Ouais. Et je suis quasi sûr, parce que j'ai déjà vu plein d'artworks de Elsa avant qu'elle ait le design qu'on connaît, elle a eu cette coiffure, donc pour le coup, j'en suis sûr. Donc ce serait Elsa qui a fait des trophées, elle a décapité des gens. Tout à fait. Ouh là là! J'adore le slip. Ça, c'est du slip. Alors, pour le coup, je ne reconnais personne. Attends, est-ce que ça serait pas des... Déjà, c'est des animaux à l'origine. Alors là, on voit un tigre, là, un poisson, et là... Elle a des boucles d'oreilles de poisson, ça doit être un poisson, ça. Ah si! C'est dans Gang de requins. Ah, c'est ça. C'est celle que Angelina, elle joue, oui, là, oui, c'est la pouflasse avec poisson, la grande... Ouais, ouais. Et du coup, à gauche... On dirait un cygne, mais non, je pense à la Black Swan. Non, c'est un mec. À gauche, ça serait un tigre gris... Loup, plutôt. Non, moi, je vois une queue de loup, plutôt. Peut-être, mais comme on dirait qu'elle a laissé des indices, justement. Mais oui, c'est ça. Et à droite, je vois passer un pan. T'as dit, moi, je vois Black Swan. Je veux pas de Black Swan, il est blanc. Je pensais pas Black Swan. Ils ont tous les deux un bâton. Ou alors un signe de le signe de la princesse. Ah mais j'adore la Angelina Jolie là c'est ouais, sûr. Elle est classe, ouais. Non, signe de la princesse, c'est pas possible, il y a qu'une signe, c'est Judith. Ouais, mais c'est bien des... Ah non, je suis partie dans un conte avec d'autres signes. Tu sais où c'est frères qui se transforment en signes. Et non, ah, ça ne dit rien du tout. Ça, dit rien, mais ça pourrait m'intéresser, recherche-le. Mais non, c'est bien, je sais plus ce que c'est, comment ça s'appelle, mais... Eh ben non, dites-le nous, et ça serait... Ben non, ça peut pas être Scar. C'est peut-être une hyène. Non. Bah la couleur de la queue correspondrait et les yeux jaunes. Je sais pas. Je vois pas une hyène. Je vois pas. Dites-nous. En tout cas, je suis sûr que c'est la fille de Gang de requins. Ouais. Je suis certain. Oui, ça c'est. Oh, il y a oui. Ah, c'est les sœurs de Salem. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore celui-là. Oh. On a Sarah avec Beetlejuice. Ouais. On a Winifred avec ça le méchant de non. C'est qui celui-là? C'est le méchant, je crois, de Quasimodo 2. Ouf, tu m'en demandes beaucoup là. Je crois que c'est sa tête. Et à côté, on a. Je suis dans la planète au trésor. On a Mary avec. Le cyborg. John Silver.
John Silver, ouais, ouais. C'est le cyborg. J'adore celui-là. Il est classe, celui-là. Moi qui suis un grand fan des sœurs Salem, d'Hocus Pocus, j'adore celui-là. En plus, j'aime bien Beetlejuice, donc... Ah, c'est vrai que c'est un... C'est sexy. C'est très sexy. Ah, j'adore, celui-là, il est classe. J'adore celui-là. Ouais. Hashtag Violette, du coup, comme on l'a représenté en Sarah pour Noble Paysan. Ensuite... Oh, Kirikou. C'est Caraba. Oh, putain, d'accord, oui. Ah, la méchante reine en sorcier. C'est Caraba, et c'est qui avec? Oh, celui dans Prince d'Égypte. Ah oui. Bah, le Prince d'Égypte. Joseph et... J'ai oublié. Donc, en tout cas, on a la méchante reine en sorcier. Ouais. Avec... Le génie. Le génie en mode méchant. Je comprends pas qui c'est, par contre, avec. Ouais. C'est un génie, mais ça doit pas être le génie qu'on connaît. Non, je pense pas. J'adore, en tout cas. Carabelé. Ouais. Classe. J'adore. Vraiment, tu fais un travail, mais... Oh! C'est nous. C'est nous. Et on est classe, hein. En fait, je regardais ce couple-là et je me suis dit, pourquoi il fait... Oh! Après, j'ai pas viré là-dessus. J'adore ta robe. Oui. Ah, je sais pas, tu me dis ça fait un peu Dirty Dancing. Ouais, c'est ça. Et on est classe, hein. Ouais. J'adore, hein, ouais, bravo. On est bien. Et là, du coup, c'est qui? Je dirais que c'est Marina de... Ah bah non, il y a la pomme empoisonnée dans les cheveux. Mais... Ça me rappelle la c'est la méchante reine. La blanche neige. Ça serait la méchante reine, mais la couleur et la coiffure me feraient plus penser à Marina Del Rey dans La Petite Sirène 3. Mais c'est pas... Mais apparemment, ça peut être que la méchante reine. Et je vois pas avec qui elle danse. Et pourtant, le style me dit quelque chose. Ça doit être dans un vrai film. Je sais pas pourquoi. Franchement, je vois pas là. J'adore notre présentation, ouais. On est vachement classe. Je sais pas ce que t'en penses. On est vraiment trop tardi. C'est vrai. On dirait une poste pour une affiche de DVD, tu sais. Les successeurs de Disney, la comédie musicale. J'adore ta robe, il faut qu'on la fasse faire. Oui. À chaque fois qu'ils dessinent avec c'est une vrai, robe, c'est ils, inventent vrai, des... belles robes. Ils inventent des super belles robes. Et ça fait trop plaisir de nous voir dans mais des franchement, sérieusement. Mais c'est... Oh. Oh. Oh, c'est la méchante dans le lutin au pouce vert là. Par contre, le méchant, je vois pas. Je vois pas qui c'est. Mais j'aime bien cette tête. Et à droite, c'est le méchant de Les Noces Funèbres. Oui, c'est ça. Et elle. Elle, je la connais aussi. Elle, moi aussi. Qui c'est ça? C'est dans quelque... C'est Jafar en femme. c'est un dessin animé que je n'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu des représentations ah, de cette méchante. Celle-là. Et le méchant à gauche, là, je vois pas qui mais c'est. Mais ça aussi, je connais. Est-ce que c'est dans le même film que le lutin au pouce vert? Il s'appelle... Le lutin magique, je crois qu'il s'appelle. Moi, tous les deux, je les mets dans le même film, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas. Ouais, je connais pas son nom. Oh, excellent. Alors, lui, tu vois... Oh, il est classe, celui-là. Lui, tu vois, un tableau, ça me dérange pas. Alors, attends, c'est marqué quoi? Ça fait longtemps que vous attendez depuis Mathusalem. Attendez quoi? Ah, d'être invité à danser. Oui, oui, oui. D'être invité à danser. Ah, celui-là. Ah, il est classe. Je veux bien l'avoir en tableau. Il est magnifique. J'adore. Les sorcières de Morva avec les moires. Mais c'est super joli, hein. J'adore. Et j'aime bien parce que du coup, ça rentre vraiment dans le thème où on est dans la soirée, quoi. C'est clair. T'es vraiment une vraie artiste. Il est classe, celui-là. Oh, ok. Alors, c'est Rasputin avec la méchante de Bartok, le magnifique. Ah, je l'ai pas vu, celui-là. Et à gauche, je ne reconnais aucun des deux. Ça, c'est le méchant de La Route d'Eldorado. Je l'ai vu qu'une fois. Je sais que j'avais adoré. Et l'autre, je sais pas qui c'est. Je vois pas qui c'est cette femme. J'ai l'impression qu'elle a pas de cheveux. J'aime trop cette partie. Ouais, le côté avec Rasputin. Et elle. Ah! J'adore. Franchement, bravo. Oh, par contre, l'autre, je sais pas qui. Oh, c'est Amy! Oh, trop bien! C'est Amy avec les deux dans réponse. De réponses. Et les deux baracos, là. Et elle a gagné. Bravo, Amy! Excellent, j'adore. Bah ça veut dire qu'on est sûrement vers la fin. Ouais. Mais sérieusement, j'adore, bravo. Je pense qu'Amy va être très touchée aussi. Hein. Alors... Me ferez-vous le plaisir de danser quelques pas de flamenco endiablé? Alors, le méchant à gauche, avec les cheveux gris, je crois que c'est le méchant de Atlantide, l'Empire Perdu, non? Non,
Oui. Parce que je sais qu'ils sont deux. Non, il n'est pas habillé comme ça, mais il me semble que c'est sa tête. Parce qu'il y a une méchante aussi. À droite, c'est la méchante de Coco, non? Enfin, ce qui n'est pas encore sorti. Enfin, c'est... on ne sait même pas si c'est une méchante, en fait. Ce qui est sûr, c'est que le monsieur grand noir, c'est le méchant dans Les 5 légendes. Ouais, mais je ne l'ai pas vu, mon celui-là. Ça, c'est certain. Ben ça fait penser à Coco, oui, parce que du coup, les... Ouais. Et il me semble pas que dans Disney, en tout cas... Mais on ne connaît pas encore la méchante. Il me semble que... Ouais, bah oui, mais oui, c'est pour ça. Peut-être que c'est juste le style. En tout cas, ouais, je crois... Il me semble que c'est le méchant dans... En même temps, la cantine d'Empire perdu, il faudrait vraiment qu'on le voie 6 fois de suite, parce qu'on dit qu'il est oublié, mais on l'oublie. Donc... ça me fait penser à... Le méchant tout à gauche en bleu, il me dit vraiment quelque chose. Surtout avec ses yeux-là. C'est pas un méchant dans Aladdin, la série animée, non? Il me dit vraiment quelque chose. Après, la méchante avec la robe, je vois pas du tout qui c'est. Elle a des oreilles de chat ou... Mais... franchement, là, je bloque. Hein. Alors, quelques photos des autres invités qui n'ont pas dansé. Ah, c'est des petits montages, d'accord. Donc là, on a la photo du méchant dans Les Contes de Terre-Mère des studios Ghibli, oui, avec une méchante dans La Princesse Mononoké. C'est ça. Après, au milieu, on a le méchant Merlock de Picsou, avec son subordonné Roquefort. Non, ouais, Roquefort fromage, je sais qu'il va au moment au fromage, je sais pas quoi. Et je reconnais pas le méchant derrière. J'ai déjà vu lui. Je sais pas d'où il vient. Et à côté, bon, c'est pas un méchant, mais on et a bah, la... Eh bah c'est moins moche et méchant, je crois. Ah d'accord. Je crois. Et à côté, on a la sorcière de Mérida, enfin Rebelle. La sorcière de Mérida, oui. Avec, je connais ce méchant aussi. Ah, c'est un méchant dans Dragon, je crois. Ah, c'est ça, voilà. Ouais. Alors en bas, on a... Ça c'est Toy Story, dans le 2. Ouais, le mineur. Non, Rio, non. Rio, je vais dire Coco. Rio, et elle, c'est Clochette. Je sais pas comment elle s'appelle, son prénom, mais ouais, elle joue. Oui, c'est une des. Enfin, elle joue la méchante dans le premier, peut-être dans le deuxième. Mais... Après, il y a la méchante du voyage. Oh, il y a la méchante du voyage de Chihiro, il y a Gus Gus. Gus Gus, qu'est-ce que tu fous là, Gus Gus? Et il y a l'ami, entre guillemets, du méchant, enfin, l'ami dans le passé. Je vois pas qui c'est. Du méchant à la Juliette. Enfin, Juliette, le signe et la princesse 2. Ah. Pff, putain, c'est pareil, ceux-là, faudrait que je les revoie. Ah, c'est trop bien. Franchement, voilà. Oh, attends, il y en a d'autres. Ah, il y en a qui ont été refusés. Alors lui, c'est... Je vois pas. Exportation de tortilla périmée. Oh, le méchant dans... intoxication oui. Dans Cathy. Krista. Donc Krista. Oh, ce méchant, sérieusement. J'ai peur, on en a parlé dans une vidéo. Mais lui, je le connais, hein. Lui, il fait du flamenco, il danse et tout, mais il est méchant. Après, il y a le géant de Coquin de printemps, sale trop petite. Ouais. Lui, c'est dans Ghibli, ça. C'est dans un Ghibli. Peut-être, il me dit rien. Un chat. Perte de poids trop abondante. Ah bon? Je vois pas qui c'est. Après, tentative de meurtre, je vois pas qui c'est. Pourtant, ça me dit que c'est pas Fievel, non? Dans cet univers-là. Et après, recherche de bagarre. Le loup de... Le loup, c'est un loup? C'est un rat? Non, c'est un loup. Enfin, c'est dans Robin des Bois. Robin des Bois, mais c'est un loup. Et l'autre, c'est le méchant dans Les Nouveaux Héros. Oui. Et en bas, c'est le chasseur. Le chasseur de... A apporter des armes dans l'intention de tuer des invités anthropomorphes. Bah... Eh ben, vraiment, bravo, j'ai adoré celui-là. Du coup, j'irai revoir le premier. Parce que j'ai vraiment envie, mais tu as un talent de malade et j'adore comment... Non, mais en plus, c'est vachement subtil, quoi. C'est pas... Ouais, parfois, c'est des petits détails, et puis ça reste super joli. C'est une super bonne idée, au départ, de toute façon, de faire ça. Et surtout, d'avoir dit... dis-nous ceux qu'on n'a pas trouvé, parce que moi, je suis... Ouais, dans les commentaires, on est vachement même curieux. Même si vous trouvez aussi, dites-nous. Dites-nous sur l'image, en plus c'est cool, elle a marqué des numéros en bas à gauche comme vous avez pu voir. Donc si vous voulez revenir dans la vidéo, donc vraiment, laissez des pouces bleus et surtout dites vos préférés et encouragez-la dans les commentaires parce que c'est super, c'est parce qu'il mérite vraiment d'être mis en avant des gens avec du talent pareil. Merci beaucoup à vous, gros Allez. Bisous. Et là, illumination. Et là, illumination.